Hein? Et non, perdu, j'étais pas à un concert, j'étais accompagné avec l'un de mes meilleurs amis pour assister à ma première démo partie. Du coup, paf, direction Cologne, hein, direction Evoke, édition 2023. C'est tout simplement la seconde plus grosse démo partie du monde. Et du coup, j'y suis resté 3 jours, c'était la première fois que je restais autant de temps en Allemagne. J'ai quand même récupéré un petit souvenir, mais du coup, qu'est-ce qu'une démo partie? Ah, je suis bien là pour vous en parler. C'est un événement qui rassemble des programmeurs et des artistes. C'est que ce truc. Dans le but de se confronter, il s'agit là donc d'une compétition, mais il y a différentes catégories. Les catégories sont divisées en différentes parties, certains sont limités par leur catégorie, ou ils peuvent tout simplement choisir de faire un truc totalement libre. Et sur tout support confondu, ça peut très bien être une vieille console qu'une console ultra récente. Là, ce que je vous diffuse à l'écran, c'est tout simplement des démos qui ont été diffusées pendant des démos parties passées, comme l'Evoke 2022 ou encore Révision. Ça tourne sur PS1, ça. Vous serez ravis d'apprendre que je ne parle pas la langue d'Angela Merkel. J'étais principalement là en tant que visiteur. En revanche, j'accompagnais l'un de mes meilleurs potes. Mon pote avait ramené tout son matos. On peut voir sur cette image et qu'on voit sur son ordinateur une partie du code de sa démo qui tourne sur PlayStation 1. J'aimerais à présent vous montrer ce que j'ai kiffé. Je mets la musique en fond, mais c'est une autre catégorie. Hein. Les deux étaient pas ensemble. Hein. C'est uniquement pour le montage. J'enchaîne avec la catégorie interactive. Ça, c'est ce qu'on appelle du gameplay, hein. C'est les Lemmings ou... C'est trop bien. Le pire, c'est que c'est les mêmes graphismes que Worms, hein, sauf que c'est sur Amiga. En plus, il joue Vanyage, le bon bazooka, là. Et maintenant, les plateformes alternatives. C'est fou, le réchauffement climatique, ça existe pas. Et donc ça, c'est la démo de mon pote. Et du coup, ça tourne sur PlayStation 1, c'est incroyable. Eh ouais, bah ouais. C'est Minecraft, j'ai reconnu. C'est Minecraft avec les troncs. Oh, what? C'est un avion? Non, c'est Superman. C'est n'importe la wack. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On passe à la catégorie suivante. Ça va péter? Si j'ai bien compris, ça c'est 4 kilo-octets. C'est du Synthwave, mais... La musique de la prochaine démo est badante. Prévenu. C'est un bombe. Encore. Ça fait beaucoup là, non? La boule magique. La boule de lavage. Vous allez voir le résultat. Ah, oh, c'est zinzin. Il y en a plein, il y a plein de cartes. Ouais.
quelqu'un dans le sol et j'ai en train de réfléchir. Oh non. Ouais. Bien évidemment, à la fin, nous avons eu la remise des prix. Et les premiers prix s'affichent dès maintenant. Mais ce n'est pas tout, il y avait un discours exclusif pour les débutants. Et voici donc les nominés. Et mon pote a été sélectionné en tant que mention honorable. Et les gagnants sont French Blood. Et c'était français, Cocorico. Thank you for participating. Congratulations. Alors si je vais redonner mon ressenti sur l'événement, c'était incroyable. Voilà, je reviendrai. L'année prochaine, j'y retourne. C'est au mois d'août. Et avant, ben j'irai tout simplement à la première plus grosse démo partie du monde, à Révision. Ça sera incroyable. Voilà, ben, voilà, j'ai passé vraiment un excellent moment. J'espère vous l'avoir fait ressentir à travers cette vidéo. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve très bientôt. Allez, salut!